Alliance, Cassandra, homme, race. Ok, on va faire un elf, tiens. Ok. Première fois que je teste le mode cauchemar. On va mourir. Oula. Combien ça coûterait, au juste? Tout ce que vous avez entendu est entièrement vrai. Combien ça coûterait, au juste? Combien ça coûterait, au juste? Tout ce que vous avez entendu est entièrement vrai. Combien ça coûterait, au juste? On prend. C'est bon, je crois.
Donnez-moi une raison de ne pas vous tuer sur le champ. Le conclave est détruit. Tous ceux qui étaient présents sont morts. Tout le monde, sauf vous. Expliquez donc ça. Je peux pas. Comment ça, vous ne pouvez pas? Je ne sais pas ce que c'est, ni d'où ça vient. Vous mentez! On a besoin de lui, Cassandra. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Vous vous souvenez de ce qu'il s'est passé? Comment ça a commencé? Je me souviens d'avoir fui. Quelque chose me courait après, et puis... une femme... Une femme? Elle m'a tendu la main, mais... Allez au campement avancé, Liliana. Je l'emmène à la faille. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sera... plus simple de vous le montrer. Une faille gigantesque ouverte sur le monde des démons et qui s'élargit d'heure en heure. Ce n'est pas la seule faille qui existe, mais c'est la plus grande. Elles ont toutes été causées par l'explosion du conclave. Ça peut faire ça, une explosion? Celle-là, oui. Si on ne fait rien, la brèche pourrait s'élargir jusqu'à engloutir notre monde. Ah ! Ah ! Ah ! Plus la brèche s'agrandit, plus votre marque s'étend, jusqu'à vous consumer entièrement. C'est peut-être la clé du problème, mais le temps presse. Vous croyez toujours que je me serais infligé ça? Pas intentionnellement. De toute évidence, quelque chose a mal tourné. Et si je ne suis pas responsable? Il y a forcément un responsable, et vous êtes notre seul suspect. Vous souhaitez prouver votre innocence? Je ne vois pas de meilleure façon. Vous dites que c'est peut-être la clé, mais je ne vois pas à quoi elle peut nous servir. À refermer la brèche. On ne devrait pas tarder à découvrir si c'est réellement possible. Mais c'est notre seule chance, à nous comme à vous. Vous ne me laissez pas vraiment le choix, si je comprends bien. Aucun de nous n'a le choix. Ils ont besoin d'un coupable, et c'est vous. Les habitants de Dars pleurent sa sainteté, la divine Justinia, dirigeante de la chanterie. C'était son conclave. C'était l'occasion de rétablir la paix entre les mages et les Templiers. Elle avait rassemblé leurs chefs, et les voilà morts. On s'emporte, on se déchire, comme le ciel au-dessus de nous. Mais il faut penser aux autres. Tout comme elle, tant que la brèche existe. Vous aurez droit à un procès. Je ne peux rien promettre de plus. Venez, ce n'est pas loin. Où est-ce que vous m'emmenez? Votre marque doit d'abord être testée sur quelque chose de plus petit que la brèche. Eh bien... ça commence bien. On se fait arrêter. Enfin, on sort d'une...
on sait pas quoi, on s'est arrêté. Prison, goulag. C'est de sa garde. J'avais fait le mode cauchemar. Ça... Je crois que j'ai qu'à faire mode difficile, je crois. Oui, non. C'est pas ça. Épreuve. Non, c'est ça. Ouh, je souffle. Les crises sont de plus en plus fréquentes. Plus la brèche s'agrandit, plus il y a de failles qui apparaissent et de démons à affronter. Comment j'ai survécu à l'explosion ? Ils disent que vous êtes sorti d'une faille et que vous avez perdu connaissance. Il paraît qu'il y avait une femme derrière vous dans la faille. Personne ne sait qui c'était. Tout le reste de la vallée a été dévasté, y compris le Saint-Temple cinéraire. Vous le verrez par vous-même d'ici peu. Restez derrière moi. Lâchez votre arme, tout de suite. D'accord. Comme vous voudrez. Attendez. Je ne peux pas vous protéger. Et je ne peux pas vous laisser sans défense. Ok. Je devrais me rappeler que vous n'avez pas tenté de fuir. C'est bien. Prenez ces potions. Le créateur Merci. Sait ce qui nous attend. Où sont tous vos soldats ? Au campement avancé ou au combat. Il n'y a que nous pour l'instant. Là-bas ! Attention ! Nous devrions essayer de les prendre en tenaille. Ah merde, j'aurais dû attaquer l'autre.
Ouais, non, c'est pas ça. Adieu. Ah, il est mort, c'est où? Il est mort. Ouah. Salut. Salut, dis donc. Dragon Edge Inquisition. Oula, je suis en PLS quoi. Là, je joue dans le mode extrême, pas un mode plus difficile. On s'approche de la faille. On entend les combats. Qui se bat? Vous le verrez bientôt. Il faut qu'on les aide. Mode cauchemar, c'est bah c'est ça le mode difficile, mode extrême quoi. Le plus dur. D'ailleurs, est-ce que j'ai pas oublié un E? Un cauchemar, attends, non, c'est option, non, option, cauchemar, ah non, c'est bon. Bah c'est John, avant que d'autres n'arrivent. Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, je n'ai rien fait. Ce n'est que vous. Effectivement. Ah, pardon. Vous voulez parler de ça? La force qui a ouvert la brèche dans le ciel a aussi placé cette marque sur votre main. Je soupçonnais cette marque d'avoir le pouvoir de refermer les failles apparues à la suite de la brèche. Ma théorie semble s'être avérée. Ce qui veut dire qu'elle pourrait également refermer la brèche. C'est possible. Il me semble que vous déteniez la clé de notre salut à tous. C'est bon à savoir. Moi qui pensais bouffer du démon jusqu'à la fin de mes jours. Varric Tetras, aventurier, conteur et, à l'occasion, colleur de basque. Vous êtes de la chanterie? Elle est bonne, celle-là. Techniquement, je suis un prisonnier, comme vous. Je vous avais fait venir pour que vous racontiez votre histoire à la divine. De toute évidence, ce n'est plus nécessaire. Et pourtant, me voilà. Heureusement pour vous, étant donné les événements récents. C'est une jolie arbalète que vous avez là. N'est-ce pas? Bianca et moi, on en a vécu des choses. Vous avez appelé votre arbalète Bianca? Bien sûr. Et elle sera d'excellente compagnie dans la vallée. Hors de question. J'apprécie votre aide, Varric, mais...
Vous êtes allée dans la vallée récemment, chercheuse? Vos soldats ne gèrent plus rien. Vous avez besoin de moi. Oh. Si je puis me présenter, je m'appelle Solas. Ravi de vous voir encore en vie. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il a empêché votre marque de vous tuer pendant votre sommeil. Vous avez l'air de savoir beaucoup de choses. Solas est un apostat, très versé dans ce domaine. Techniquement, tous les mages sont maintenant apostats, Cassandra. Mes voyages m'ont permis d'en apprendre beaucoup sur les matériels, bien au-delà des connaissances d'un mage du cercle. Je suis venu offrir mon aide face à cette brèche. Si nous ne parvenons pas à la refermer, nous sommes tous condamnés, quelle que soit notre origine. C'est tout à votre honneur. Ce n'est que du bon sens, mais c'est vrai que ça se fait rare ces temps-ci. Cassandra, je préfère vous le dire, je n'ai jamais vu de telle magie. Votre prisonnier n'est pas un mage. À vrai dire, j'aurais peine à croire qu'un mage puisse être aussi puissant. Je vois. Il faut vite qu'on gagne le campement avancé. Bianca se réjouit d'avance. Alors, l'histoire, en gros, alors je te la fais en gros, Il faut nous dépêcher. Dans cet univers, il y a la chanterie, qui est la chanterie, c'est c'est comme l'église catholique, on va dire. La divine, c'est un peu le pape. Et un conclave, c'est ils sont rassemblés avec. Oh merde, bah, je sais pas trop comment expliquer. En fait, dans le 3, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a conclave, il y a une réunion entre la chanterie et plusieurs autres groupes. Il y a une explosion, tout le monde meurt. Moi, je suis sur le seul survivant et j'ai cette marque qui permet de refermer les failles. En gros, c'est ça. Après, bon, l'histoire est plus complexe parce qu'il y a les mages sont des apostats qui sont un peu sous contrôle des Templiers, mais comme ils ont des mauvais traitements, ils ont fait une genre de révolution un peu en gros, et du coup maintenant ils sont chassés. Voilà, c'est assez complexe. Enfin, complexe, non, mais à raconter, c'est assez. Voilà. En gros, c'est ça. En gros, les brèches, ça attire des genres de mauvais esprits, des démons en fait, en gros. Ça attire des démons. Démon droit devant. Alors, chercheuse, contente de m'avoir avec vous maintenant? Ouais, ça j'aime pas ça, le mode. C'est l'histoire assez complexe parce qu'il y a trois épisodes et il part dans le 1, il y a l'enclin, dans le 2 en fait on suit un héros qui essaie d'échapper à l'enclin et du coup il va à Corcoal. Et c'est un peu de Corcoal dont parle la fameuse rébellion des mages. Donc c'est assez. Et puis dedans il y a de la politique entre des nations et voilà, donc c'est assez. En fait, en gros, dans ce monde, t'as à peu près t'as deux gros royaumes, t'as l'Empire Tevinted
qui en fait en gros est pour l'esclave et pratique l'esclavage et la magie du sang. En fait la magie du sang c'est une magie faite du sang et c'est interdit parce que c'est ça, c'est un peu pour invoquer des démons et tout, ça rend fou un peu les gens. Et de l'autre côté t'as l'empire aurélien qui est gouverné par l'impératrice céleste qu'on va rencontrer dans l'histoire. Ouais, ça, je vais avoir besoin. Merci, je vais avoir besoin de ça. En gros. Voilà, et l'amulette. Et les Aureliens sont bizarres parce qu'ils portent tout le temps des masques. Vous êtes de Dalassie, mais loin des gens de votre clan. Ce sont eux qui vous envoient. Que savez-vous sur les Dalassiens? J'ai parcouru de nombreuses contrées au fil des années. J'ai déjà eu affaire à votre peuple à plus d'une occasion. Nous faisons partie du même peuple, Solas. Les Dalassiens que j'ai rencontrés étaient d'un avis divergent. Vous, les elfes, vous ne voulez pas être gentils pour une fois. Ah oui, donc t'as les elfes qui sont un peu traités comme des esclaves, qui sont parqués dans des ghettos ou c'est un peu des roms quoi. Dépêchons-nous avant que la marque ne le consume. Ah ok. D'accord, d'accord. Mais bah, c'est cauchemar, donc c'est un peu. Les combats vont être assez longs. Les combats de boss, ça va être. Wow. Je pense que je vais mourir plein de fois, mais. Bye. Ah oui, il y a aussi les Kunari aussi. Il y a aussi l'Empire Kunari, qui est en fait les Kun, c'est une religion. Et enfin, c'est pas vraiment un empire. Enfin, c'est même pas, c'est pas vraiment ce qui me souviens pas de ce qui gouverne en fait. C'est une religion assez bizarre. Vous auriez dû inventer une histoire. Et les mecs, ils ont des cornes. C'est ce que vous auriez fait. C'est plus crédible et moins susceptible de finir en exécution prématurée. Oh bien, le spectre. D'abord, la distance. Allez, mon gars. Ça va être gentil, mais je pense que ça va peut-être J'espère en puissance. Que Liliana s'en est sortie. Elle a de la ressource, chercheuse. Nous verrons ce qu'il en est au campement avancé. Nous y sommes presque. D'habitude, je fous super bien la zone, je ramasse tous les trucs, mais là, en cauchemar, je vais faire. Vu que j'ai pas envie de m'éterniser sur ce mode, on va vite choper le trophée. Une autre faille. Nous devons la refermer. Vite. Et puis voilà. Il ne cesse d'affluer. Aidez-nous. Ça marche. Ouais, je suis niveau 2. Tintintintin. Alors, c'est quoi dans le guide que je suis en train de lire? Alors, c'est. C'est pas ça non plus. C'est quoi ça, c'est...
faille a disparu. Ouvrez la porte. Dame Casson. Danger est écarté pour le moment. Au travail. Au moins, ce truc sur votre main est utile, même si on se demande toujours ce que c'est. Ok, alors toi, on va te mettre casse-moi et. Ah non. Ça c'est. Amélioration objet de valeur. Voilà. Enfin. Chancelier Roderick, voici... Je sais parfaitement qui c'est. En tant que grand chancelier de la chanterie, je vous ordonne de conduire ce criminel à Val-Royau pour qu'il y soit exécuté. Vous m'ordonnez ? Vous n'êtes qu'un pauvre commis, un bureaucrate. Et vous, vous êtes une crapule, soi-disant au service de la chanterie. Chancelier, on est au service de sa sainteté. Vous le savez très bien. Justinia est morte. Nous devons élire une nouvelle divine. Et c'est à ses ordres que nous obéirons. La priorité n'est pas de refermer la brèche. C'est à vous que nous la devons, cette brèche. Sonnez la retraite, chercheuse. Nos efforts ici sont sans espoir. On peut arrêter ça avant qu'il ne soit trop tard. Comment ? Vous ne survivrez pas assez longtemps pour atteindre le temple, même avec tous vos soldats. Il faut qu'on gagne le temple. C'est la route la plus courte. Mais pas la plus sûre. Nos forces peuvent faire diversion pendant qu'on passe par les montagnes. On est toujours sans nouvelles d'une unité tout entière qui a emprunté ce chemin. C'est trop risqué. Écoutez-moi. Abandonnez avant que d'autres n'y laissent leur vie. Qu'est-ce que vous suggérez ? Passez par les montagnes. Coopérez. Vous connaissez tous les enjeux. Eliana, rassemblez tous ceux qui restent dans la vallée. Tout le monde. Vous en paierez les conséquences, chercheuse. Au temple de l'autre côté. De quelle sorte de tunnel s'agit-il ? D'une mine ? Il fait partie d'un ancien complexe minier. Ces montagnes sont pleines de passages de ce genre. Et vos soldats disparus sont là-dedans ? Ainsi que ceux qui les ont enlevés. On découvrira tout ça bien assez tôt. De merde.
Ok, alors on a trouvé armure. Oh putain, c'est chaud, on rentre du bout de l'eau. Allez, on va aller secourir les soldats qui sont pris dans une faille. Je crois qu'on a trouvé les soldats. Ils étaient plus nombreux que ça. Les autres pourraient se terrer plus loin. La brèche doit être notre priorité. Tant que nous n'aurons pas refermé, personne ne sera à l'abri. Je laisse notre camarade Elf se charger de ça. Pas tort. Dame Cassandra, lieutenant, vous êtes en vie. C'était moi une. Prendre le coup de main? Espérons. Heureusement que vous êtes arrivé, Dame Cassandra. Remerciez notre prisonnier, lieutenant. Le prisonnier? Alors vous... S'il y avait une chance qu'on puisse vous sauver, il fallait essayer. Alors je vous suis infiniment reconnaissante. La voie est libre vers la vallée des... Entendu. Notre route semble également dégagée. Dépêchons-nous à... Descendez l'échelle. Ah. Le temple est par là. Il semblait qu'on pouvait ramasser un truc. Dites,
tellement, si. Si une quantité importante de magie est mise en œuvre, c'est possible. Mais il y a des moyens plus faciles de faire exploser des choses. C'est exact. On cherchera le pourquoi du comment, une fois qu'on sera hors de danger. Le Saint-Temple cinéraire. Ce qu'il en reste. C'est là que nos soldats vous ont trouvé, quand vous êtes sortis de l'immatériel. Il paraît qu'il y avait une femme derrière vous dans la faille. Personne ne sait qui c'était. Ouais, alors ça, c'est pour tant que ça. C'est l'occasion ou jamais de mettre un terme à tout ça. Vous êtes prêts? J'imagine que vous avez un plan pour m'envoyer là-haut. Non. C'est cette faille qui est apparue en premier. C'est elle la clé. Refermez-la. Et peut-être pourrons-nous refermer la brèche. Alors allons-y. Et faites attention. On va essayer, hein. L'heure de notre victoire a sonné. Amenez la sacrifiée. Qu'est-ce qu'on entend? La personne qui a créé la brèche, j'imagine. Vous savez que c'est du lyrium rouge, ça, chercheuse. Je le vois, Barry. Mais qu'est-ce que ça fait là? La magie s'est peut-être nourrie du lyrium sous le temple. Et l'a corrompu. C'est extrêmement dangereux. Surtout, n'y touchez pas. Au secours! À l'aide! Que se passe-t-il ici? Sainteté a fait appel à vous, mais... Que se passe-t-il ici? Allez chercher de l'aide! Vite! Nous avons un intrus. Tuez l'elfe. Vous étiez là? Qui a attaqué? Et la divine esquelette? Est-ce que cette vision était vraie? Qu'est-ce qu'on voit là? Je ne m'en souviens pas. Des échos de ce qui s'est passé ici. L'immatériel s'infiltre dans cet endroit. La faille n'est pas scellée, mais elle est fermée. Au moins temporairement. Je pense qu'avec la marque, nous devrions pouvoir ouvrir la faille et la refermer correctement. Ouvrir la faille risque toutefois de susciter des réactions de l'autre côté. Autrement dit, des démons. Ça va chier. Maintenant! Ça
Épuisez-le. Le démon est vulnérable. Maintenant. Ah là, c'est chaud là quand même. J'aime pas trop comme il arrive ça. Thank you.
Putain, faut arrêter là, sérieux. What? Non mais là sérieusement quoi. Putain. Faut briser ses défenses. Épuisez-le. Ah mais là c'est un coup de temps en carton.
faille. Allez-y. Ouh, dur, dur. Dur, dur, les amis. Je ne savais pas que vous étiez réveillé, je vous jure. Pourquoi vous avez peur? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non! J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Je ne crois pas. J'implore votre pardon et votre grâce. Je ne suis qu'une simple domestique. Vous êtes de retour à Dars, monseigneur. On dit que vous nous avez sauvés. La brèche a cessé de s'agrandir, tout comme la marque sur votre main. Les gens ne parlent que de ça depuis 3 jours. Donc vous dites que les gens sont contents de moi ? Je vous répète simplement ce que j'ai entendu. N'y voyez rien d'insidieux. Je devrais aller prévenir Dame Cassandra. Elle avait dit, dès qu'il ouvre les yeux. Et elle est où? À la chanterie avec le chancelier. Dès qu'il ouvre les yeux. Il a empêché la brèche de s'agrandir. Le chancelier Roderick dit que la chanterie ne veut rien avoir à faire avec nous. Avez-vous donc perdu la tête? Il doit être conduit à Val-Royau immédiatement et jugé par la nouvelle ville. Je ne crois pas que c'est capable. L'elfe a échoué. La brèche est toujours là. Si ça se trouve, c'est exactement ce qu'il voulait. Je n'y crois pas. Enchaînez-le. Je veux qu'on le prépare pour son procès à la capitale. N'en faites rien. Laissez-nous. Vous jouez avec le feu, chercheuse. La brèche est stable, mais elle reste une menace. Je refuse de fermer les yeux.
Donc je suis toujours un suspect, même après ce qu'on vient de faire. C'est ce que vous êtes, assurément. Non, c'est faux. Quelqu'un a provoqué l'explosion au conclave. Quelqu'un que sa sainteté ne soupçonnait pas. Peut-être qu'il est mort avec les autres. Ou qu'il a des alliés encore en vie. Vous me soupçonnez, moi ? Vous, et beaucoup d'autres. Mais pas le prisonnier. J'ai entendu les voix au temple. La divine l'a appelé à l'aide. Donc sa survie, cette chose sur sa main, tout cela n'est que coïncidence. Non, c'est la providence. Le Créateur l'a envoyé nous aider dans cette épreuve. Donc, vous avez changé d'avis à mon sujet. J'avais tort. Qui sait si j'ai raison maintenant ? Quoi qu'il en soit, je ne peux pas nier que vous étiez exactement ce dont on avait besoin à ce moment-là. La brèche est toujours là, et votre marque est notre seul espoir de la refermer. Ce n'est pas à vous d'en décider. Vous savez de quoi il s'agit, chancelier ? Une ordonnance de la divine qui nous autorise à agir. À partir de maintenant, je déclare la renaissance de l'Inquisition. Nous refermerons la brèche. Nous trouverons les responsables et nous rétablirons l'ordre. Avec ou sans votre approbation. Telles sont les instructions de la Divine. Trouvez ceux qui accepteront de se dresser face au chaos et refondez la première Inquisition. On n'est pas prêt. On n'a ni dirigeant, ni effectif, ni le soutien de la chanterie. Nous n'avons pas le choix non plus. On doit agir immédiatement, avec vous à nos côtés. Bon, je veux bien essayer. C'est tout ce qu'on vous demande. Aidez-nous à régler ça, avant qu'il ne soit trop tard. Thank you.
Ok. Alors, d'abord, on va aller chercher deux, trois trucs. Merci quand même. Si vous êtes là pour faire le ménage, si vous trouvez ce qu'il me faut pour mes réquisitions, je vous serai reconnaissant. Ok, là c'est très fini. Oui, je connais déjà le truc, du coup, là on va vendre des trucs. Alors du coup on a juste à suivre le chemin là, il y a la maison et je sais qu'il y a un truc de bois aussi pas loin. Je devrais examiner les lieux. On nous attaque. Non, c'est moi, j'ai fait pas exprès. J'ai pas fait exprès. J'ai entendu dire que la chercheuse Pantaga
m'appelle Harry. Et vous, tout le monde sait qui vous êtes. Comment vous trouvez le nouvel équipement? Ce n'est pas vraiment... C'est pas le moment de laisser le style l'emporter sur l'aspect pratique. Le monde est devenu fou. Les armures et les lames de fête, ça va bien contre les bandits. Mon équipement vous protégera des démons, des apostats et de tout ce que le monde mettra sur votre route. Vous avez besoin d'un ouvrage personnalisé, une commande spéciale. Apportez-nous le matériel et on chargera du reste. Au revoir. Bon. À bientôt, alors. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire en arc là? C'est bien vu. Putain, ça aussi du coup, putain. C'est vrai. J'approuve ce message. Allez dire ça aux musulmans en Chine. On prie pour vous. Ouais, mais c'est pas des prières qu'ils ont besoin. Non, 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 monsieur. C'est pas des prières. En plus, c'est super beau. Donc à T4K et tout. Regardez qui nous revient d'entre les morts, une fois de plus. Je ne me... Le contraire m'aurait étonné, vous n'aviez pas toute votre tête. Mais il fallait bien que quelqu'un vous remette sur pied quand vous êtes sorti de je ne sais où, en chancelant. Mais ne vous en faites pas, de rien. Je n'en avais pas la moindre idée, merci. Oui. Bon, vous me revaudrez ça en remettant le monde en ordre. Je m'appelle Adan. Mon rôle est de m'assurer que notre petit groupe soit approvisionné en potions et en élixirs. Même si la chercheuse Pentagast ne semble pas se soucier qu'on ait ou non les ressources nécessaires pour le faire. J'ai trouvé les notes d'un certain maître Tegen. Je me demandais si ça pourrait... Laissez-moi y jeter un œil. Si vous voulez l'un de ces mélanges... Ça vous gêne ? Elle a cessé de s'agrandir et elle ne me fait plus mal. Il n'y a pas de petite victoire.
Ce qui compte, c'est que votre marque est maintenant stable. Tout comme la brèche. Vous nous avez offert le luxe du temps. Et Solas pense qu'une deuxième tentative pourrait aboutir. À supposer que la marque est encore des forces. Le genre de puissance qui a ouvert la brèche. Ça ne va pas être facile à trouver. Il ne peut pas y avoir de mal à stimuler quelque chose qu'on comprend à peine, n'est-ce pas? Au moins, vous avez de l'humour. Je vous présente le commandant Cullen, qui dirige les forces de l'Inquisition. Ce qu'il en reste. Nous avons perdu beaucoup de soldats dans la vallée. Et je crains que ce ne soit qu'un début. Voici Dame Joséphine Montillier, notre ambassadrice et chef de la diplomatie. Ondara Natishan. Vous parlez elfique ? Vous venez d'entendre l'étendue de mes connaissances, j'en ai peur. Et bien sûr, vous connaissez Sœur Leliana. Mon poste ici exige un certain degré de... C'est notre maître espionne. Voilà. Merci pour votre tact, Cassandra. Cassandra m'a parlé d'un plan. Je vous ai dit que votre marque avait besoin de plus de puissance pour refermer définitivement la brèche. Ce qui veut dire qu'on va devoir solliciter l'aide des mages rebelles. Je ne suis toujours pas d'accord. Les Templiers suffiraient amplement. On a besoin d'une magie puissante, commandant. Assez pour que la marque... nous détruise tous. Les Templiers pourraient contrôler la brèche, l'affaiblir pour... Ce n'est que pure spéculation. J'ai été Templier. Je sais ce dont ils sont capables. Malheureusement, les deux groupes refusent encore de nous adresser la parole. La Chanterie condamne l'Inquisition. Et vous, en particulier. Ils n'ont pas tardé. Ils ne devraient pas plutôt s'occuper de qui sera la prochaine divine ? Certains vous appellent le messager d'Andraste. Vous, un elfe d'Alassien. Ça effraie la Chanterie. Les prêtresses ont crié au blasphème et nous ont accusé d'hérésie pour vous avoir abrité. Certainement sous l'influence du chancelier Roderick. Ce qui nous laisse peu de choix. Solliciter l'aide des mages ou des templiers est actuellement hors de question. Est-ce que la Chanterie va nous attaquer ? Avec quoi ? Leurs seules armes sont leurs mots. Et pourtant, ils pourraient très bien nous entraîner dans leur chute. Il y a bien quelque chose que vous pourriez faire. Une prêtresse de la Chanterie, Mère Gisèle, a demandé à vous parler. Elle n'est pas loin. Elle est bien plus informée que moi. Son aide pourrait nous être précieuse. Je veux bien entendre ce qu'elle a à dire. Vous trouverez Mère Gisèle auprès des blessés des Marches Solitaires, non loin de Golfalois. Tant que vous serez là-bas, saisissez la moindre occasion d'étendre l'influence de l'Inquisition. Nous avons besoin d'agents pour élargir notre portée au-delà de cette vallée, et vous êtes le mieux placé pour les recruter. En attendant, on ferait bien de réfléchir à d'autres solutions. Mieux vaut ne pas se reposer entièrement sur le messager. Ok, ok. Alors... Thank you.
messager d'Andraste. J'ai eu vent de vos aventures, comme tout le monde. On a appris ce que vous avez fait à la brèche. C'est curieux de voir un elfe dalassien s'inquiéter du sort des autres, mais ici personne viendra vous chercher d'ennui. Vous avez ma parole. Éclaireuse Harding, de l'Inquisition, à votre service. Nous tous, ici, ferons tout notre possible pour vous aider. Harding, hein ? Vous êtes déjà allé à la haute ville de Corcoll ? Non, jamais. Pourquoi ? Pour un mauvais jeu de mots, laissez tomber. Je commence à m'inquiéter de toutes ces histoires que les gens entendent à mon sujet. Oh, ne vous en faites pas. On dit juste que vous êtes le dernier espoir de Tedas. Ah, formidable. Les marches solitaires sont un bon point de départ pour commencer à arranger les choses. On est venu pour demander à l'ancien maître palefrenier de Golfalois de nous fournir des chevaux. J'ai grandi ici, et tout le monde dit que les bêtes de Dénet sont les plus robustes et les plus rapides de ce côté-ci des dorsales de Givre. Mais avec l'intensification du conflit entre les mages et les Templiers, on n'a pas réussi à le contacter. On ne sait même pas s'il est encore vivant. Mère Gisèle aide les réfugiés et les blessés au croisement. D'après les derniers rapports, la guerre a également atteint cette région. Le caporal Veil et nos hommes font ce qu'ils peuvent pour protéger les gens, mais ils ne tiendront pas très longtemps. Vous feriez mieux d'y aller. Il n'y a pas de temps à perdre. Ok, alors... Cassandra. Message pour vous. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous devriez regarder de plus près. Ah oui, ok. Les apostats ont fui vers les collines.
Alors, un anneau, c'est pour qui? Vous savez, les nains n'aiment pas tous les grottes. Genre on s'en fout de nous quoi. Ok. Bon. L'affrontement entre les mages et les templiers a coûté la vie à de trop nombreux innocents. Éclaireuse de l'Inquisition, une elfe du nom de Ritz. Vous dites que vous êtes sans nouvelles de votre amie? Elle était censée aller voir des apostats. Si je n'étais pas en service, j'irais à sa recherche. On se voit plus tard. T'inquiète, je vais retrouver ta copine. Faire pour camper. Ouais, mais avant, il y a un coffre ici. Bien.
on va aller voir la veuve qui pleure son mari qui a été tué par les Templiers. Tant que c'est bon vieux bigot. Vraiment que le conclave avait une chance de rétablir la paix, chercheuse? Pas vous? Et c'était quoi le plan de la divine? Rassembler tout le monde en espérant qu'ils s'entendent? Sa sainteté ne m'avait pas fait part de ce plan. Elle pensait peut-être qu'ils en avaient assez de la mort et du conflit. Ce serait mal connaître les Templiers et les mages, vous ne croyez pas? Je... de me moquer d'une défunte, Varric. Elle a fait ce qu'elle a pu. Ils ne sont pas nombreux à pouvoir en dire autant. Ah, je fais rien comme dégâts, moi. Il devait faire longtemps que les Templiers renégats n'avaient pas affronté de mages de talent. Carrément quoi, il y a un truc sur... Ces salauds de Templiers ont tué mon mari et lui ont volé son alliance. Il mérite de crever. Vous dites que les Templiers ont attaqué votre mari? Ouais, il était en train de déraciner une souche. Ces dégénérés savent même pas faire la différence entre une pelle et un bâton de mage. Faut pas prendre de risques, qu'il disait. Les rebelles nous tombent dessus sans arrêt. Bande de barbares. Ils lui ont volé son alliance. Au cas où elle serait magique. Effectivement. Au revoir.
tu vas mourir toi. Ah, du coup on va pouvoir récupérer son anneau. Au vieux. Enfin pas au vieux mais... facile. Ah, faut que j'augmente leur level aussi. Alors, Cassandra. Quoi que, allez, on va leur péter la gueule là. Mais avant, on a un coffre à prendre. Et du coup j'ai tout ramassé non? Je crois que j'ai tout ramassé. Alors. Ah. Ouais, il a perdu sa copine, le pauvre.
Ah, c'est pour Kodari, ça. Mon gars, meurs. Je dois vous avouer que je suis surprise que vous ayez décidé de rester, Solas. Pourquoi ? La brèche nous menace tous. Oui, mais je me disais que vous pourriez avoir envie de partir, maintenant qu'on a un plan pour la refermer. Ah, comme je suis un apostat, je pourrais m'enfuir avant que l'Inquisition ne me mette au fer. Je prends mes engagements au sérieux, chercheuse. Advienne que... Ok, et donc on s'en jette. Ok, alors, est-ce que du coup nous on utilise ça? Non. Du coup, ça, on va le mettre à la poubelle là. Ouah. Je resterai ici jusqu'au bout. Comme il vous plaira. Mais je ne peux pas vous garantir ce qui va se passer dans les prochains jours. Encourageant.
Ouhouhou. Des chaud chaud cacao. Chaud 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 cacao. Chaud chaud rouge et un mineur en herbe, je dirais. Ah, voici. Oh, une attaque, le bandit. Le bandit des grands chemins. Ok. D'accord. Première fois que ça m'arrive, mais... Mm-hmm.
Ah. Je crois que les ruines, on peut pas les enlever. Ah merde, attends. Matériaux de fabrication. C'est... Petit coffre en plus, et bravo, ça fait plaisir. Templiers déserteurs. Sans votre intervention, je serais morte. Ouais. Devait être à la recherche de magie du sang. Les Templiers ont attaqué l'apostate. Je me suis retrouvée coincée au milieu. Bon, pour tout vous dire, j'ai peut-être un peu batifolé avec Eldred. Vous aviez besoin de prendre un peu de bon temps en cette période de guerre. On était... Oui. Au début, c'était juste une mage qui m'a vue et n'a pas attaqué. Et puis après... Dites, vous allez me dénoncer ? Alors là, petite, si vous arrivez à faire tomber la culotte d'une apostate en pleine guerre, vous avez un don. Ce serait dommage de ne pas s'en servir. Nouer des contacts, récolter des informations, aider l'Inquisition. Et on sera muet comme des carpes. Très bien. Je devrais en être capable. Et... Merci pour votre clémence. Ouais. Du coup, je crois que j'ai pas encore le niveau pour cette faille là-bas. Je vous connais. On vous appelle le messager d'Andraste depuis vos exploits à Dars. C'est vrai, alors ? Le créateur ne m'a rien dit, à moi. Je suis le messager d'Andraste. Et vous prétendez avoir une influence sur les failles que le créateur a ouvertes dans le ciel ? Je peux refermer les failles, oui. Alors prouvez-le. Montrez-moi que les failles vous obéissent, qu'elles obéissent au créateur. Faites-moi voir votre puissance. Votre culte, quelles sont ses croyances au juste ? Qu'est-ce que vous pensez de ces événements ? En s'effondrant, la chanterie a révélé ses imperfections. Le cantique de la lumière n'était qu'un mensonge. C'était arrogant de croire que des mortels pouvaient embrasser la volonté du créateur. Désormais, on attend en silence. Le créateur a ouvert le ciel. Il rappellera bientôt ses élus à la cité d'or. Au plaisir. On se reverra si le créateur le veut. Ah, ça marche. Ça ne m'étonne pas que des gens vénèrent la brèche. Ne serait-ce que dans l'histoire de la baiser.
se trouve. Ça, on s'en fout. Excusez-moi, sur votre route, n'auriez-vous pas croisé une jeune noble dame blonde aux yeux vert clair? Dame Vélina devrait déjà être là. Nous voulons être ensemble pour l'arrivée du créateur. J'ai trouvé le corps inanimé d'une femme en contrebas, avec une lettre. Cette lettre... Vélina est morte. Mais nous devions être ensemble. Le créateur ne nous aurait pas séparés comme ça. Que vais-je faire maintenant? L'inquisiteur. Donc du coup les mages sont à Golfolois et les rebelles qui ont trouvé leur camp. Ok ok. Vous portez la marque du ciel. Votre présence nous honore. C'est tout? Ok. D'accord. Ça, le truc de critique, ça m'intéresse. Allez, meurs, putain. Ferait mieux de partir. C'est devenu trop dangereux. Facile à dire, chercheuse. C'est chez eux, ici. Du créateur, j'ai eu tort de douter de vous. Comment vous servir, messager d'Andrasté? Demandez à vos fidèles de recueillir toutes les informations qui pourraient aider notre cause. Entendu, messager d'Andrasté. Une poignée d'entre nous restera ici. Les autres iront accomplir votre volonté.
Quand le Créateur vous confiera votre grand destin, souvenez-vous de notre contribution. Bien sûr. Ok, alors là, c'est bon. Là, on n'a pas le niveau, c'est sûr. Et... Oula, c'est les codes de qui, hein? Il y a du bois. Un templier, je crois. Là, ici, et... Ok. Bien à signaler, Seth. Ah si, il faut que je fasse la demande. Un message pour vous. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça pourrait valoir le coup. Ritz, bon sang, où est-ce que t'es ? J'ai retrouvé Ritz, et je l'ai sauvée d'une attaque des Templiers. Elle va bien. Merci. C'est gentil d'avoir pris le temps. La région est dangereuse pour tout le monde. Heureusement que l'Inquisition essaye d'arranger les choses. Et ouais, bon verre. Ah bah oui, j'ai déjà quelqu'un ici, ok. D'accord. Méfiez-vous des Templiers, ils tuent sans aucun discernement. J'ai trouvé cette alliance sur un Templier que j'ai tué. Oui, c'est elle. Ça ne leur a pas. Ouais. Un truc, genre un contraste, parce que je vois rien qui est que dalle, quoi. Non, c'est pas ça.
heureusement qu'on a un cheval. Parce que là, c'est... Les apostats se sont enfermés à l'intérieur et les Templiers ont mis le feu. Bravo. C'est quoi ce crâne? Bonne question. Le crâne illumine certains objets au loin. C'est une magie qui m'est inconnue. Un crâne qui fait briller des saloperies. Mais bien sûr. Tut tut tut.
Intéressant. Je ne saurais dire ce que c'est, mais le crâne n'a sûrement pas illuminé cet objet sans raison. C'est vrai. Un usage de la magie totalement irresponsable. Les mages d'ici valent à peine mieux que des animaux. Serait un bon emplacement pour monter le camp. La route du roi en bas. Ouais, j'ai raté là. Ouais, j'espère que ça vous a plu. Alors, est-ce que j'ai tout le monde alors? Yes. Ouais.